ensemble de l'été, de votre été. Ici, petits et grands peuvent profiter de très nombreuses activités du 11 juillet jusqu'au 9 août. Alors, qui préfère quoi ici ? La piscine, le foot. Moi, je préfère le BMX et le foot. C'est la combienième fois pour vous, toi, par exemple ? Moi, je viens tous les années. Moi, toi, tous les ans ? Tous les ans. Quand depuis 11 ans, depuis que vous êtes tout petit, quoi ? Oui, moi, j'habite. En fait, elle habite juste à côté de moi, mais souvent, pas souvent. Mais ici, c'est bien, on a bien parlé, on a discuté. Cette année, j'ai pas prévu de partir en vacances. Donc heureusement, finalement, qu'il y a tout ça. Il y a la plage, il y a la piscine, ils ont même mis du sable et tout ça. À la Courneuve, il y a ceux qui sont en vacances et ceux qui bossent. Et oui, la mairie forme et embauche des éducateurs sportifs, des agents polyvalents qui sont chargés d'encadrer et d'animer les différentes activités proposées pendant l'été. La plupart d'entre eux sont courneviens et vous allez voir qu'ils prennent très à cœur la mission qui leur est confiée. Venez, c'est par là que ça se passe. En fait, je suis agent polyvalent, je m'occupe de diverses tâches. Les premières sont l'accueil, la seconde c'est surveiller les bassins. Et le reste de l'année, vous faites quoi ? Je suis étudiant, je viens d'avoir mon baccalauréat au lycée Jacques Brel. Cette expérience, c'est ma première expérience professionnelle dans le monde du travail. Comment ça se passe ? C'est le premier jour, il fait beau, donc il y a du monde. Et ils sont déjà très motivés, c'est comme ça tous les jours ? Tous les ans, c'est comme ça. Allez, allez, allez ! Je crois qu'on l'aura compris, la concurrence est rude, petit bassin, grand bassin, moyen bassin, on ne sait plus, mais grosse ambiance. Ceux qui vont pas en vacances, c'est comme si on va en vacances et par exemple à la rentrée, on dira à mes amis comme quoi on est parti à la Courneuve, place mais aussi on a fait des vacances. C'est très important parce qu'on a pas mal de familles qui malheureusement ne peuvent pas partir en vacances, n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Donc le maire et la municipalité a tenu de pouvoir mettre à leur disposition un espace pour lequel ils puissent passer quand même un moment privilégié. C'est un moment où ils peuvent se retrouver, passer du temps en famille, mais aussi faire la connaissance des familles qui courneviennent et des autres personnes courneviennes. La Courneuve Plage, c'est la volonté de permettre à chacune et chacun, quelles que soient ses conditions, d'avoir des moments de loisirs, d'avoir des moments de vacances agréables, pouvoir faire des activités diverses et variées tout au long de l'été. Et c'est cette volonté que porte farouchement cette municipalité, les pieds dans l'eau, parce que c'est l'été, donc il y a la plage, il y a les piscines, et donc on vous appelle chacun à bien en profiter. Ici, les jeunes. Alors les jeunes peuvent participer donc au sport collectif que nous mettons en place, donc beach rugby, beach soccer, sandball, à la boxe, au tennis de table, au BMX et également aux élastiques ascensionnels. D'accord, qu'est-ce qui remporte le plus de succès depuis ce début de matinée ? Alors il y a eu une queue assez impressionnante sur les élastiques ascensionnels, pas loin de 30 enfants et ça a été rempli toute la journée. Donc, Et c'est important pour vous d'être ici présent durant cette période de la Courneuve Plage ? Ça nous permet de montrer que le service des sports est présent tout au long de l'année. On retrouve des enfants que l'on voit durant l'année, donc ça permet de créer un lien avec les enfants. On voit plus spécialement les familles, donc c'est vraiment agréable. C'est une mission un peu différente, mais qui nous permet de créer du lien. Chaque année, ce sont en moyenne 50 000 Courneuviens qui se rendent ici à Courneuve Plage. Comme eux, venez profiter de moments d'évasion, de plaisir, de détente. Jusqu'au 9 août, cinéma en plein air, spectacle et grands moments de convivialité. Je vous rappelle que toutes les activités ici sont gratuites et l'ambiance est plutôt familiale et bon enfant, ça vous l'avez vu. Pour en savoir plus, le programme est disponible sur le site de la ville, www.villelacourneuve.fr. Et en ce qui me concerne, je vais vous dire à très bientôt et surtout, je vais vous souhaiter un très bon été. Et je crois que ça se passe ici. Bonnes vacances de la Courneuve Plage.